quel est exactement, est-ce qu'il est fréquent ou pas, c'est tout à fait incertain à l'heure actuelle. Enfin, en ce qui concerne le coronavirus félin, eh bien, je vous l'ai dit, cet agent est considéré comme un agent mineur de toute la reproduction. Il fait déjà suffisamment de ravages en élevage félin. Heureusement, ce n'est pas sur la reproduction que peut le craindre le plus. En conclusion, eh bien, vous voyez, les maladies virales peuvent générer des troubles de reproduction, que ce soit chez les chats ou chez les chiens. Je ne voudrais pas que cet exposé vous fasse toucher les maladies.